Bonjour tout le monde! Bonjour les petits lions! Ouais, je vole, je suis un oiseau, je vole. Non, Marguerite, tu n'es pas un oiseau, tu es une vache. Mais pendant que nous parlons des oiseaux, je vais vous montrer quelque chose dans l'arbre qui est derrière moi. L'arbre qui est ici, c'est un manguier. Et tout là-haut dans l'arbre, tu montes, Marguerite? Par là-haut? Ouais, tout là-haut, 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 on ne voit pas très bien. Mais il y a une petite boule avec plein de petits morceaux de bois. C'est un nid! Un nid, c'est là où les oiseaux font leurs petits bébés. Alors, il est tout là-haut dans l'arbre, donc on ne peut pas grimper après l'arbre. Hein. C'est trop haut. Mais je vais mettre mon téléphone sur une grande barre, sur un grand morceau de bois. Et je vais amener mon téléphone vers le nid pour aller voir qui est à l'intérieur du nid. Allez, on se retrouve dans quelques instants à côté du petit oiseau qui est dans le nid. A tout de suite. A tout de suite, les lapins! Regardez, j'ai pris une photo du nid avant d'aller à l'intérieur voir ce qui se passe. Vous le voyez, le nid? Il est là, au milieu des feuilles. Vous voyez, c'est les petites branches que l'on voit ici. Allez, maintenant, on va voir à l'intérieur du petit nid, voir le petit oiseau. Ça y est, nous sommes dans le nid. Regardez-moi ce tout petit oiseau. La maman avait fait des petits œufs qu'elle avait mis dans le nid et les œufs ont éclos et voilà un bébé oiseau. Il ne s'est pas encore volé, mais ça ne serait tardé. Vous avez vu comme il était mignon ce petit bébé? Eh bien, regardez, ça c'est son papa ou sa maman. Je l'ai pris en photo quand il arrivait pour donner à manger au bébé. Vous voyez un oiseau, il a un bec, ça remplace notre bouche, il a des yeux comme nous, il a une tête et un corps avec plein de plumes, il a deux pattes avec des petites griffes et il a deux grandes ailes. Alors là, les ailes, elles sont repliées car là, il ne vole pas, il attend, il s'est posé sur du bois. Et puis, il a également une très grande queue pour bien pouvoir voler. Il était trop mignon ce petit oiseau! Moi je veux voler avec lui! Et tu peux pas voler Marguerite, t'es une vache et les vaches ça ne vole pas. Les oiseaux par contre ils ont des ailes pour voler, donc eux ils peuvent voler. Mais pour l'instant le bébé il est encore trop petit, il ne sait pas encore voler. Mais bientôt il aura des ailes assez grandes et plein de belles plumes et il pourra s'envoler de son nid. Waouh! Allez, je vous dis au revoir les enfants et à bientôt! À bientôt les cocos!